Est-ce que vous, gamin, vous lisiez ? Alors, je lisais, mais c'est très curieux comme c'est venu assez lentement. D'abord, j'ai lu des bêtises très, très catholico-crétines, du genre toute la littérature qu'on nous faisait avaler au catéchisme chez les cœurs vaillants, qui était effroyable, des genres Prince Eric de Serge Dalins, ou Réussir de Michel Coist. Je me souviens que c'était des bouquins comme ça, enfin, mais complètement affreusement moraliste, affreusement. Ah, c'est effrayant. Et puis après, ça aussi, c'est venu très, très brutalement. D'un seul coup, j'étais un peu lourdé de tous les lycées. Je prenais des cours par correspondance et je me suis mis à lire. Et je vais vous dire une chose très bizarre. Le premier bouquin que j'ai lu n'avait rien à voir avec la lecture d'un enfant de 13 ans. C'était L'Immoraliste d'André Gide. Bizarre. Et puis, ça m'a passionné. Là-dessus, je suis tombé sur Stendhal. Après Stendhal, je suis tombé sur Giono. Après Giono, j'ai eu Hugo, et puis après pas des lectures d'un enfant de 14-15 ans. Non, c'est très très bizarre comment ça s'est mis en place. Et puis après, le théâtre, bien sûr, deux auteurs que je vénérais et que j'interprétais immédiatement, qui étaient La Fontaine. La Fontaine, je me déguisais pour faire les animaux. Et puis Molière, bien évidemment, que j'essayais d'interpréter.